Miguam, assis là, je contemple paysage urbain, fade sans vie, assis là, la nature, vivante, l'odeur des écorces, je me sens chez moi, mon Miguam, ma maison. J'ai grandi ici, c'est important de revenir sur nos racines pour savoir qui on était, qui on est, qu'est-ce qu'on va être dans le futur. Au début, avant de partir, j'étais vraiment excitée de partir en ville parce que j'allais être loin de ma communauté parce que j'en avais vraiment besoin. Mais je me suis rendue compte qu'en étant loin de ma communauté, je me sentais perdue, je me sentais triste, j'avais envie, une grosse envie de revenir, je pleurais de temps en temps, parce que il y avait peu d'Autochtones à la ville où ce que j'étudiais. Fait que là, j'avais pas la chance de parler avec mes semblables. Je ne pratiquais plus la langue atikamekw et je la perdais de plus en plus. Puis j'avais tellement envie de revenir ici que on dirait que je le faisais exprès de ne pas étudier, de ne pas me concentrer sur les études. Je me concentrais juste à revenir chez moi. C'est que je trouve un petit peu plate que de plus en plus, chaque génération qui est en train de grandir, ils perdent la langue. Parce que, tu sais, on parle plus en français, on met des mots français dans une phrase atikamekw. Puis moi, j'envie les aînés qui parlent complètement en atikamekw. Puis moi, je pense que c'est ça qui est important, c'est de ne pas perdre la langue atikamekw au fil des ans, au fil des générations. Puis, tu sais, c'est un savoir que nos ancêtres nous ont transmis. Ça fait partie de nous, la langue, ça fait partie de nous. Je viens d'une nation atikamekw que il y a plus de 2500 populations, plus de jeunes que de vieux dans ma communauté, que la plupart parlent la langue atikamekw et le français aussi. Je suis enseignante atikamekw au secondaire. Le gros défi, c'est vraiment faire croire aux élèves la fierté d'être atikamekw, puis la fierté d'avoir une langue aussi. Ça a été mon défi, parce que les enfants, c'est la première année qui ont leur langue au secondaire, cours de langue secondaire. Puis je pense qu'ils sont fiers de ça. Il nous faut les deux cultures ensemble, les deux. Parce que si on a juste une culture dominante, on ne sera pas en force, non?
Tandis que si on prend les deux cultures ensemble, sans savoir, on va être en équilibre. On ne perdra pas l'autre. L'autre aussi, on ne le perdra pas. Et là, ça va se faire un mariage des deux. Il le faut aussi. Moi, j'ai à cœur de me battre pour que cette langue-là ne se perde pas. Parce que j'ai déjà commencé à perdre mon site. J'ai enseigné en primaire. J'ai travaillé avec les Québécois. Donc, la langue là-bas, on ne parlait pas beaucoup de notre langue. Quand un autochtone perd sa langue, il meurt. Tu sais, parce que ça, c'est le cœur. La langue est le cœur de l'être humain autochtone. Parce que je sais, mes petits-enfants vont à l'école en ville. Ils ont de la misère à parler leur langue. C'est juste le français. Moi, j'aime ça ici parce que je viens donner ce qui manque. Et nous travaillons avec les thèmes, les saisons Atikamekw. On développe des activités culturelles. On utilise beaucoup l'oral dans nos enseignements. Et aussi l'écrit. Il est important d'écrire à sa langue. Bonjour, oui. Voilà. On est en train de faire de la cuisine pour, en apprenant en même temps les choses que nos ancêtres faisaient. Ils cuisinaient ça avant, mais sans poêle en plus, sans huile. On est en train de cuisiner des crêpes au bleuet. En Atikamekw, on dit ça des mini-chité crêpes. C'est du pain un peu rond. Et on peut apprendre comment cuisiner des poissons crêpes. En Atikamekw, on appelle ça une mesté crêpes. Crêpe de poisson, c'est comme ça que ça veut dire. C'est bon, mais je ne sais pas pourquoi, moi j'aime pas ça, je suis le seul qui aime pas ça, je ne sais pas pourquoi. Moi j'aime pas aussi l'orignal. Des fois j'aime ça, mais je commence à aimer ça, là, l'orignal. Vu qu'avant je mangeais que la nourriture française, des Français qui font, la pizza, la poutine. Mais là je commence à manger de plus en plus l'orignal. Une fois j'ai vidé un casserole au complet d'orignal. Et aussi le macaroni orignal, mais dans le temps, il n'y avait pas de macaroni. C'est important parce que si on perd, c'est d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'aura plus notre cœur d'Atikamekw. On se souviendra pas de rien que nos ancêtres faisaient. Mais il faut partager ça avec nos enfants et nos ancêtres faisaient ça aussi. C'est très dur à manger sans fourchette. J'aimerais ça qu'on voit plus des Autochtones dans les médias, dans des films québécois, qu'on mette plus en avant notre culture. Parce qu'il y a tellement de films qui sont produits au Québec, mais qu'on ne voit pas vraiment d'Autochtones dans certains rôles. Parce qu'on joue quand même un rôle dans le pays du Canada. J'aimerais ça qu'on soit plus mis en avant, puis qu'on mette plus nos problèmes en avant, en premier aussi, comme concernant les femmes qui ont disparu, les problèmes de logement, les problèmes de financement envers les jeunes étudiants qui s'en vont en ville. J'aimerais ça qu'on se penche plus dans ces problèmes-là. Et la délinquance aussi, là. J'aimerais ça qu'on y
comment je pourrais dire ça, qui viennent nous aider d'une certaine façon. C'est plus les jeunes qui sont le futur de la communauté, c'est eux qui vont améliorer ce qui est amélioré dans la communauté, parce que c'est eux qui savent le plus ce qui manque ici. Comparé, oui, il y a les aînés, ils savent aussi ce qui manque ici, mais je pense qu'on devrait plus laisser la parole aux jeunes aussi. C'est ça que j'aimerais ça. Mon nom, c'est Paul-Yves Bouchenon. Je travaille avec le service de santé depuis 35 ans. Depuis les 4 dernières années, je travaille au niveau culturel, comme intervenant culturel. La transmission de la culture est importante pour nourrir l'identité des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ils ont comme perdu dans le néant. Ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent s'accrocher. Parce que la culture, souvent, c'est vraiment important. Quand on parle de la culture, ça prend les traditions, ça prend les croyances, puis ça prend une spiritualité. Puis chez les jeunes, c'est tellement avec toute la colonisation, la sédentarisation, le passionnant, les écoles résidentielles, la doctrine de religion, ça a tout amené à tuer l'Indien dans sa propre communauté. Et quand on regarde l'histoire des jeunes, la génération d'aujourd'hui, il y a une coupure de 3 générations, même peut-être 4 générations. C'est le dernier pensionnat qui a été fermé, c'est en 1995, je pense. C'est pas long, c'est sur les jeunes. Là. Et c'est tous les jeunes, comme moi, j'ai 60 ans. Puis là, il y a les jeunes qui sont 30 ans, là, 40 ans, là, ils sont encore dans le néant. Puis encore plus, ceux qui sont 20 ans. Puis ceux qui sont adolescents aujourd'hui, là, sont perdus. Oui, il y a de la langue qui est importante, mais ce qui est important, c'est vraiment la langue qui est importante, mais la culture est importante aussi. Si la langue il va avec la culture, ça va avec les traditions. Puis c'est là qu'il y a un blocage entre la culture et les traditions. Parce que souvent, il y a les rituels sont absents. Puis les valeurs, ça prend des rituels. Mais les rituels, comment veux-tu qu'il y ait des rituels, l'absence des valeurs, c'est l'absence des rituels. C'est ça qui est important aujourd'hui, l'importance de transmettre aux jeunes le retour aux sources, le retour à l'aspect humain. Je ne suis pas juste autochtone, non. C'est toutes les races. L'expérience du souhait, c'est l'expérience en soi. Toutes les nations, il y en avait un, différent, mais c'est il y en avait un. Les rituels étaient différents, mais le but est le même, c'est d'aller chercher le bien-être de la personne, d'être bien, faire le nettoyage, tant au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. C'est pas religieux, donc c'est vraiment développer ta croissance personnelle, de développer une conscience qui est propre à toi. Il n'y a personne qui va te dire c'est comme ça, 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 ça. Là. Non. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire avec les 13 outils de l'être humain. Les 13 outils sont nos 2 pieds, 2 mains, 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, notre bouche, notre corps et notre sexe. C'est ça l'outil de l'être humain. Et on oublie souvent de maintenir. Puis dans les souhaits, c'est avec les 13 outils qu'on utilise. C'est vraiment de développer une croissance personnelle spirituelle.
Mon nom, c'est Raoul Wisnou. Puis, je suis d'Obedjouan. Le mot Atikamekw, ça, c'est des noms qui ont été donnés par d'autres nations à d'autres nations. Mais le vrai mot, c'est Nehiruzu. Si on traduit le mot, c'est être en équilibre et en harmonie avec tout ce qui nous, avec tout ce qui nous entoure. J'ai eu peut-être une cinquantaine de personnes, à date, là, une cinquantaine de personnes que j'ai formées à faire la tente. Parce que c'était en train de disparaître. Puis moi, j'ai appris ça de mes grands-parents. Mais là, ils ne sont plus là. Dans mon temps, au niveau de la culture, c'était plus mes grands-parents qui m'ont, que j'ai observé. Faire la raquette, ou bien les tentes, ou bien tu sais, les portes-bébés qu'on appelle Tknagen, puis faire des rames, des massages. Ben, je travaille beaucoup avec les bois, grâce à mes grands-parents, à mon grand-père. À faire des raquettes et tout ça. Puis quand je compare les jeunes d'aujourd'hui, on dirait que c'est en train de disparaître tranquillement. Mais moi, depuis à peu près 5 ans, je prends un jeune histoire bidjouan, n'importe qui, je m'en vais le voir, puis je lui demande si ça intéresse de faire des raquettes. Puis s'il me dit oui, ben je l'amène dans le bois. On s'en va dans le bois, puis on s'en va chercher le boulot. C'est sûr que l'environnement aussi affecte la culture due au changement climatique. Je travaille au Conseil national Atikamekw dans le cadre dans un projet qui s'appelle Adaptation au changement climatique. Puis quand on regarde l'environnement, on s'aperçoit que le boulot, il change aussi. Son écorce, il devient de plus en plus mince comparé à, mettons, ça c'est les aînés qui me disaient, dans le temps, les écorces étaient très épais. Il ne faut pas oublier que nous autres, les Atikamekw, mais pas juste les Atikamekw, les Premières Nations, on a la mentalité nomade. La mentalité nomade, c'est la mentalité circulaire. Puis la mentalité nomade, c'est une mentalité de survie seulement. C'est selon les saisons. Tandis que la mentalité sédentaire, c'est linéaire. Puis dans la mentalité sédentaire, il y a un triangle du pouvoir. Il y a le gouvernement, puis la population. C'est communautaire aussi, c'est politique aussi. Tandis que la mentalité nomade, c'est oui, il y a une structure, mais une structure individuelle et familiale. Il faut qu'il y ait un mariage, les deux, entre le monde nomade et le monde sédentaire. On est dans la période de transition. Puis tout le monde doit faire le même cheminement, peu importe la race. La nature nous enseigne de ça. Aujourd'hui, on voit le réchauffement climatique. Tout est en changement. C'est pas l'homme qui a décidé de changer, c'est la nature qui nous amène à changer. C'est comme ça qu'il faut transmettre les savoirs, les connaissances des aînés. À travers de ça, il y a des enseignements culturels, traditionnels et spirituels là-dedans. Quand on parle de spiritualité, souvent les gens ils vont se référer à une religion. Mais la spiritualité, comme qu'il disait mon père, la spiritualité, c'est seulement ton esprit et ta réalité. C'est juste ça, la spiritualité. Si on ne tient pas compte de la pensée nomade et sédentaire dans les écoles, pas pour rien, pourquoi il y a tant de décrochages à l'école? Mais c'est ça. Les gens, ils ne prennent pas compte de ça. Comment veux-tu que les jeunes comprennent? À l'école, c'est sédentaire, la pensée sédentaire, mais lui, le jeune, une pensée nomade. Une pensée animée, l'autre est inanimé. Le professeur il essaie d'enseigner à son élève avec une pensée animée, tandis que le jeune a une pensée animée. C'est comme mon père qui disait, on a tout à recommencer, tout à refaire.
À cause de tous les passionnants, puis l'alcool, la drogue dans les communautés, le suicide, pas pour eux, c'est des signes qu'il faut changer. On est dans un monde en mutation, en transformation, qu'il faut créer une nouvelle identité, pas seulement à Tikamek, mais toutes les nations du monde. Il faut créer une nouvelle identité. Depuis ces jours-ci, je remarque que la culture se meurt peu à peu. Je ne sais pas s'il va vraiment mourir, mais ça se peut bien qu'elle réduise, mais tu sais, c'est une étape de l'évolution, tout le monde doit évoluer à un moment. Puis ben, la culture atikamekw est très vivante encore. Comparée à d'autres nations autochtones, la langue atikamekw et la culture atikamekw me semblent être la plus vivante. Dans la culture atikamekw, ce qu'il y a, c'est que tu peux faire de la peau par ton main. Tu peux aller frapper des castors, puis apprendre à fabriquer une tente, un peu de tout, un canot, des habits, des mocassins, tout. Il y a des activités culturelles durant l'été, le camp Wabush. Le camp Wabush, ça, c'est vraiment un endroit pour faire du ressourcement culturel, tu sais. Quand tu vas là-bas, ils t'apprennent à poser des filets, tu vas faire des toits en canot, ils t'apprennent comment dépecer des animaux. Au Bedjouan, c'est la communauté qui a subi le moins de changements au niveau linguistique. Mais pour les autres communautés, on va dire que c'est vraiment mélangé entre du français et de l'atikamekw. On est en train de scraper ce que nos ancêtres nous ont donné, puis... Justement, ce qu'il faut faire, c'est éviter cela et conserver nos cultures et notre langue. La communauté est vraiment, vraiment trop ravagée par les drogues et l'alcool qui viennent avec. Oui, ils ont du monde qui essaie de faire le changement, mais le changement se fait pas s'il y a personne qui veut, tu sais, participer au changement. C'est pas une seule personne qui pourra faire le changement. C'est à nous tous de se débrouiller pour trouver une solution au problème. Je me vois pas laisser ma communauté comme ça dans le désordre. Je planifie vraiment des grandes choses pour ma communauté. Puis ben la majorité, l'être humain a tendance à fuir ses problèmes. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Pour arranger un problème, il faut l'attaquer directement. Faut vraiment viser directement le problème. Parce que sinon ça partira jamais pis tout. Fuir son passé. Je suis le chasseur qui chasse son passé pour pouvoir vivre son présent. Je suis ce chasseur qui peine à trouver le chemin menant vers la paix dans son âme. Mon esprit tourmenté cherche toujours les réponses à sa douleur. Mes terres me guident vers les traces de mes ancêtres. La nature me parle et je l'écoute. La connexion entre moi et la terre-mère est bien réelle. Nikishterten et Kibemiris Kijemundo, Nma 18.